J'étais sur un bateau à Saint-Malo qui s'appelait l'Origon. J'avais 4 ans, c'était un vieux classique. Ça sentait le poisson à gogo partout dans le port de Saint-Malo. À bord des bateaux, sur les quais, le bitume était imbibé de l'odeur du poisson. Et je me suis dit, c'est là que je veux être. Quand t'as ça comme ça dans le sang, c'est... Ah ça c'est... Pour les tripes, ça c'est... C'est le plus beau des métiers pour moi. Il y a des beaux métiers, mais celui-là c'est le plus beau des métiers. Quand je vois qu'on fait route pour aller en baie de Saint-Brieuc pour la pêche de coquille Saint-Jacques en 45 minutes, et qu'on arrive sur zone et qu'il y a encore un peu d'attente, parce que forcément il y a des horaires à respecter, l'attente là, elle est interminable. Toutes les minutes qui restent à attendre avant de mettre les dragues à l'eau, de jeter les dragues, il y a l'adrénaline qui monte en toi et qui te met en condition de pêche, ça te donne la niaque quoi. T'as l'adrénaline qui est montée, et puis ben, quand le top départ est parti, c'est parti quoi. Et mon papa spirituel bien sûr, qui est mon armateur, qui lui, il serait pas là, je pense pas que j'aurais tout ça quoi. Je pense qu'on a eu une complicité. J'espère en tout cas que tout se passera bien avec mon bateau neuf et que bah déjà mon rêve va se réaliser, ça c'est sûr. Ça va venir dans quelques mois là. Et je me dis qu'au fond j'aurais peut-être mérité tout ça avec tout ce que j'ai pu batailler quoi. Je m'appelle André Steve, patron pêcheur à Erquy, secteur baie de Saint-Brieuc.